Ce sont des images qui en rappellent d'autres, et une fois encore, la gare de Luçon pourrait bien devenir le théâtre d'une résistance qui a fait ses preuves. Élus et associations d'usagers se sont en effet réunis ce lundi en gare de Luçon pour informer la population d'une nouvelle bien inquiétante, la suppression le 13 décembre prochain du Nantes-Nice, un train qui desservait la gare de Luçon tous les lundis à 8h04. Un train très fréquenté, notamment par les jeunes, et un nouveau coup dur pour la gare sud-vendéenne. Cette information, elle concerne la suppression complète à partir du 13 décembre du Lounéa. C'est le train qui fait Nice-Nantes et en particulier qui s'arrêtait à Luçon le lundi matin, qui concerne beaucoup d'étudiants. Et jusque-là, depuis le mois de septembre, en gros, c'est un train qu'ils ont mis, ils mettent quelques fois ou pas. Ils disent que c'est un train à éclipse, donc les gens ne savent jamais s'il est là ou pas. Et donc le 13 décembre, ils le suppriment complètement. Sur des raisons de rentabilité, en disant que c'est un train déficitaire. Alors, déficitaire, il faut savoir que pour leur comptage, ils prennent les gens qui montent à Nice et qui descendent à Nantes, mais entre-temps, ils ne prennent pas en compte. Et il est déficitaire aujourd'hui, évidemment, puisqu'on ne sait jamais s'il passe ou s'il passe pas. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison de la suppression, c'est avoué par la SNCF, c'est donc l'ouverture à la concurrence pour 2012. Une convention État-SNCF vient en effet d'être signée pour pérenniser une quarantaine de liaisons ferroviaires déficitaires. Et malheureusement, le Lounéa n'en fait pas partie. D'où la colère de la population devant cette nouvelle provocation de la SNCF envers la gare luçonnaise. Alors, nouvelle provocation, doit-on parler de provocation ? J'en sais rien. Certainement une logique comptable quelque part qu'on ne peut pas accepter sur les services publics. Par ailleurs, la méthode est quand même une méthode qu'on peut difficilement accepter. Autant mettre les choses sur la table, mais ne pas pourrir un service de manière à forcer les gens à prendre d'autres moyens de transport, puisqu'on prend le cas par exemple d'étudiants qui sont obligés de prendre des taxis depuis La Rochelle à 5h du matin pour arriver dans leur établissement, parce que le train n'existe plus, et qui perdent comme ça 2 heures, sans compter les coûts qui sont les coûts importants, et je ne parle pas bien entendu des difficultés de circulation, des risques, et pour ne pas parler des problèmes environnementaux. Donc ça n'est pas acceptable, ou bien alors on met les choses réellement sur la table, on en discute, et on en discute avec les collectivités, avec bien sûr des délibérations qui seraient faites par le département, par la région, par les villes, et à ce moment-là on pourrait en discuter ouvertement, mais employer des moyens détournés de manière à diminuer une activité d'une ligne complètement artificiellement, ça n'est pas tolérable. De ce point de vue-là, on peut parler peut-être d'une provocation. Je parlerai surtout d'une manière de faire, d'une méthode qui, dans une démocratie, ne me semble pas du tout bien placée. Première étape de cette mobilisation qui s'organise, l'information. La deuxième étape va concerner maintenant différentes démarches administratives pour tenter d'enrayer cette situation. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de démarches qui vont être faites auprès, bien sûr, des ministères. Aujourd'hui, que ce soit le député de la 5e circonscription, M. Souchet, ou moi-même, nous allons intervenir donc directement auprès du Premier ministre. Nous avons demandé aux différents parlementaires, sénateurs, députés, d'intervenir eux aussi auprès donc des ministères concernés et auprès du Premier ministre. Donc première action. Deuxième action, une discussion qui va être demandée de ma part auprès de la région sur le schéma régional d'infrastructures de transport, donc le SRIT, sur lequel on va discuter, et une bonne entente qui existe justement entre les représentants de la région et les élus locaux, de manière à pouvoir mettre en place donc ce qu'il y a à mettre en place pour maintenir donc ce service. Reste que cette phase administrative va être courte, car le train doit disparaître très prochainement, le 13 décembre. Ensuite, les Luçonnais, ils l'ont déjà prouvé, sont prêts à engager le bras de fer. Oui, là on en est au stade de l'information aujourd'hui, mais on va monter très très rapidement en puissance, parce qu'on veut effectivement peser sur cette décision qui nous semble totalement inacceptable. Après tout, nous avons des TGV qui viennent en Vendée. Ben, si on ne peut pas arrêter des trains qui ne passent plus à Luçon, on pourra peut-être arrêter des trains ailleurs. Sachez par ailleurs que la SNCF, pour pallier l'arrêt du Lounéa, a décidé de mettre en place après le 13 décembre un TER qui circulerait le lundi matin entre La Rochelle et Nantes et qui desservirait la gare de Luçon à 7h28. Seul bémol, la région qui finance le TER n'est pas au courant et n'a donc inscrit aucun crédit sur son budget 2011.